Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau challenge. Donc, le challenge il va être découpé en deux parties. Deux parties de 15 minutes pour que ça vous fasse une séance complète de 30 minutes. La première partie, ça va être un circuit essentiellement sur les membres inférieurs. Et le deuxième circuit, ça va être sur le haut du corps et la sangle abdominale. Le principe, ça va être très simple. Sur chacun des circuits, vous allez avoir trois exercices que je vais vous présenter tout de suite. Au début, vous allez faire une répétition de chaque, enchaînée. Une fois que vous avez fait une répétition de chaque, à chaque fois vous augmentez d'une répétition. Donc le deuxième tour, on fait deux répétitions de chaque, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et l'objectif, c'est que vous allez travailler sur 15 minutes. À la fin des 15 minutes, il faut avoir atteint le nombre de répétitions le plus haut possible sur tous les exercices. C'est un challenge contre vous-même, sur les membres inférieurs et sur le haut du corps. Et l'idée, c'est de vous proposer une petite routine sur ce défi-là. Essayez de le refaire une à deux fois, pourquoi pas dans la semaine, et essayez de se dépasser à chaque fois. Ça marche? Je te montre le premier, du coup, sur les membres inférieurs. Trois exercices. Le premier exo, ça va être des squat jump. Donc, pied largeur de hanche. On descend, fesses parallèles au sol, et on vient faire une extension en remontant. Si jamais tu as un petit peu de douleur dans les genoux, tu le sens pas trop en squat jump, on reste ici. Squat simple, ok? Le deuxième mouvement, on vient faire un squat et une élévation latérale sur chaque jambe, d'accord? Pointe de pied toujours vers le sol, on fléchit et on monte, ok? Le troisième mouvement, fente pliométrique, on recule un pied, on descend en fente et en remontant on saute pour changer de jambe, ok? Et on répète ce mouvement là, même principe, si tu n'arrives pas en plio, une fente et tu changes de pied. Ok? Le principe, c'est quoi pour ce circuit-là? Premier tour, ça va être un squat jump, un squat avec une élévation de chaque côté et une fente de chaque. Le deuxième tour, tu en rajoutes un. Un squat jump, deux élévations, la deuxième et quatre fentes plio, deux par jambe. Et ensuite, on monte. 3, 2, 3. 3 de chaque côté, 2, 3 et 3 fentes de chaque côté, 2 et 3. Ça c'est pour le premier circuit. Je pense que tu as compris le principe. Donc moi je me suis arrêté à 3. Bien sûr, toi ton objectif c'est d'aller beaucoup plus haut, sur 15 minutes. Donc ne partez pas trop vite, prends ton temps. Essaye de te jauger dans un premier temps sur les exos et on voit au bout de 15 minutes où est-ce que tu en es rendu et tu essaieras de dépasser ce résultat-là sur les prochaines séances. Ok? Je te montre du coup le deuxième circuit pour le haut du corps et les abdos. Trois exos, pareil. Premier, pompe. Main largeur d'épaule. On serre bien les abdos, on fléchit poitrine au sol et on pousse pour remonter. D'accord? Toujours les abdos bien activés. Et on remonte. Une fois qu'on a fait ça, mountain climber. On monte les genoux à la poitrine sans bouger le haut du corps. D'accord? Et le troisième exo, on remonte pied à plat. On prend une bouteille dans chaque main et tu viens descendre puis pousser pour travailler sur tes épaules. Pareil, travail adapté en fonction de ton niveau. Si jamais c'est trop difficile, une bouteille dans chaque main, une dans deux mains. Si jamais une bouteille, c'est trop facile, viens prendre un paddio ou un sac avec des poids à l'intérieur pour que ça soit plus lourd. Je te montre l'enchaînement sur 3 et après, je te laisserai faire. Hop. Premier, un de chaque. Une pompe, un mountain climber de chaque côté. Et une élévation. On ajoute un sur chaque. Deux pompes. Deux mountain climber de chaque côté. Deux. Et deux élévations. On passe à 3. 1, 2, 3. 3 de chaque côté. 1, 2, 3. Et 3 élévations. 1, 2 et 3. Voilà, je pense que tu as compris le principe. Pareil, comme pour les jambes. Toi, tu cherches à aller un peu plus haut. Moi, je me suis arrêté à 3. Ça a pris à peu près
2 minutes, pas plus. Donc ça veut dire que toi, tu peux aller chercher beaucoup plus loin. D'accord? Je te souhaite bon courage. N'hésite pas à mettre les résultats en commentaire. Si jamais tu veux te rappeler un petit peu des exercices et le format, je vais tout noter dans la description. Ça marche? Bon courage et à bientôt!